Salut tout le monde, c'est Déo. On est parti pour la suite d'Adventure Time. Si c'était un jeu de type animé en 3D, c'est parti. Let's go! What if Adventure Time, je vais pas te le répéter en anglais, tu l'as compris, c'est parti, explore, go! Alors on en était où? Ça fait un petit moment que j'avais pas joué. Ah oui, on venait peut-être d'ouvrir, voilà, le cadenas de la serrure bleue, et il reste donc la rouge. Alors quelle quête j'ai en cours? Objectif, trouve un moyen de supprimer la grosse pierre, et trouve la clé verte. Ah ça c'est bizarre parce que la clé verte ça fait un moment gros qu'on l'a trouvée. Oh! Alors j'ai cru que j'allais tomber, puis que j'allais pas tomber, et puis je suis tombé, très très bien. Alors ça, ça là, comment on pourrait l'enlever? Une large pierre bloque le passage. Écoute, mais il y a une gravure du magicien. Où est-ce que j'ai vu ce dessin? Ah, il faut peut-être trouver un autre dessin du magicien quelque part ailleurs. Alors c'est parti, on va chercher. Et j'ai fait pas mal de voyages, je suis allé en Suisse, à Londres, et même en Allemagne en moins d'un mois. Donc je suis un petit peu déboussolé, je reprends ce jeu, et j'ai à nouveau l'impression de voyager. Écoute, tant mieux. Alors tout ça on l'a fait, on a battu le dragon là-bas, c'était vachement cool, dans le précédent épisode. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir en cliquant sur le petit i juste ici. Et ensuite vous revenez, hein. Vous me laissez pas comme ça, s'il vous plaît. En fait, j'ai tellement pas où aller, c'est un truc de fou. D'habitude, il y a toujours une indication, là c'est un petit peu mystérieux. Je suis livré à moi-même. Aïe, mais j'en viens de là. Ouah, je suis perdu de ouf. Bon, écoute, on va aller dans l'endroit sombre. Twilight Zone. Alors, tout ça on connaît. Là-bas, c'est là qu'on a eu l'épée. Est-ce qu'il y a toujours les boules de feu? Non, il y a plus les boules de feu. On va pas retourner là-bas. Bon, allez, j'y retourne. On sait jamais, il y a peut-être un truc. Non, il y a rien. Où est-ce qu'il faut aller dans un chien? Je sais plus si je vous avais dit, non je vous ai pas dit. Concernant la VR dans ce jeu, j'avais essayé. Je vous l'ai dit ou pas? Bref, j'avais essayé, mais en fait, il l'a désactivé. On peut pas activer l'option. J'avais tout branché, et non, c'est désactivé. Et en plus, je suis même pas sûr que ça soit compatible. Oh! Mais oui, on a le double saut. On peut aller sur le toit et récupérer l'étoile maintenant. Oh là 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 là. J'ai fait ça en vous parlant, tranquille. C'est parfait. Donc, ce que je disais, c'est que je suis même pas sûr que ça soit compatible HTC Vive. C'est fait pour l'Oculus. Mais normalement, HTC Vive, c'est un petit peu supérieur à Oculus. Donc, généralement, ça passe. Après, c'est possible que non. Mais dans tous les cas, c'est désactivé. On ne pourra pas tester. De toute manière, ça ne change quasiment rien pour vous. Juste que les mouvements de tête seraient exactement les miens et qu'on aurait une vue comme ça avec des... Oh ! Ok, recover. Ça permet en gros de se remettre d'un coup quand on se fait éjecter, je crois. J'ai pas bien compris. On verra de toute manière. C'est un nouveau pouvoir. Et du coup, voilà, en VR, je jouerai comme ça, je suppose. Après, est-ce que c'est tellement plus pratique? Non, on va pas se le cacher. Ah ouais! Ah, je peux aller super haut. Regardez. Je saute, je mets des coups, je ressaute, je remets des coups. Oh ! Non, je peux pas atteindre ce truc, mais je peux aller très très loin. Du coup, on va aller choper la plateforme qu'on ne pouvait pas choper avant, qui se trouve après tout ça. Oh là là, mais c'est tellement facile avec le double saut. Je me souviens comme on galérait dans l'épisode 1. Ah là là, c'est génial. Et du coup, voilà, ça passe tranquille, on met des petits coups d'épée pour être sûr. Et ben voilà, le dessin du magicien, il est là. Donc en fait, je ne l'avais jamais vu, mais peut-être que le personnage l'avait vu de loin et que nous on l'avait pas remarqué. Ok, ben c'est parfait. Donc il y a un levier, hein, c'est une pierre. On va hop l'activer et on suppose que ça a ouvert le passage. Ah, ah non. Oh, waouh waouh waouh. Oh, ça a ouvert un autre passage et je sais où il est. Je sais où il est. Alors vite vite, on a que 35 secondes pour y aller. Putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh là là, du coup, je pensais que ça ouvrirait la pierre. Mais non, 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 pas du tout. Alors, je crois que c'est par là. Oh non, c'est pas du tout par là. Putain de merde. Fallait descendre. Putain, ou alors fallait pas descendre. Fallait aller là-bas. Bon, bref, c'est pas grave. Je crois qu'on peut aussi y accéder par ici. Voilà. Oh là là, plus que 15 secondes. Oh putain, mais c'est chaud. Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, c'est là. C'est là. On peut le faire. On peut le faire. Double saut. On met un coup de poing. Oh! Oh shit, man! Ah, on entend que ça bouge. Ça y est, on a bougé la pierre. Voilà, quel est ce bruit? On dirait que quelque chose s'est ouvert. Eh ben, c'est la grosse pierre. Oh là là! Eh, mais ce jeu, c'est du génie! Non, vraiment, je m'amuse. C'est con à dire, mais je m'amuse actuellement. Il y a des jeux, tu les fais, t'es content que l'histoire avance, mais finalement, tu ne te sens pas investi dans le truc. Bah, t'as pas la pression, en fait. Là, vraiment, ça m'a surpris. Y a rien qui pouvait m'indiquer que d'un seul coup, j'allais avoir un timer. Non, c'est génial. Ce mec s'y connaît en jeu vidéo, ça se voit. C'est un truc de fou. Non, vraiment, je suis content de jouer à ce jeu. Je sais plus qui m'a parlé de ce jeu, mais franchement, bah merci beaucoup parce que c'est génial. Alors, ça, je l'ai vu. Ça, je connais. Je sais même plus où est-ce qu'il fallait aller. On va tester ici. Eyes. Voilà, ça doit être là. Ok. Objectif, atteins la fin de ce passage sans te faire attraper. Ah oui, ah merde. Oh shit. Ah ouais, d'accord. Je comprends pourquoi ça s'appelle Eyes. Eh ben, c'est parti, écoutez. Aventure! Toujours plus d'aventure! Hop, on passe. Oh là 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 là! T'as cru quoi, toi? Hop là, voilà. On passe par ici. C'est parti. Hop, oula, 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 oula. Merde. On y va direct. Oh! Oh là! Oh là 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 là! D'accord. Ok, ça va par ici. Allez, on passe, on passe, on passe. Ouh! Merde, 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 c'est par où? Merde, putain! Putain, putain, je sais pas par où c'est. Je sais pas par où c'est, bordel. Attends, on va regarder en bas. Non! Non! Pardon! Pardon! Non! Non! Il a enlevé le sol. Oh là là.
C'est oufissime. J'adore ce jeu. Attends, mais c'est génial. Allez, c'est parti, on recommence. Je me mets en vue première personne parce que là, pour le coup, c'est un peu plus pratique pour voir les yeux. Ok, d'accord. Là, le tout, c'est de repérer où il faut aller. Si je ne sais pas où il faut aller, bah de base, c'est chaud, en fait. Ok. Oula. Alors, je crois que... Ah oui, il faut aller là-bas. Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Ok, nickel. On passe. Wouh ! Punaise. Par contre, le truc chiant, je sais pas si c'est parce que mon PC est rapide, mais les temps de chargement sont tellement courts que j'ai pas le temps de lire les petits conseils qu'il y a pendant les temps de chargement. Alors, d'un côté, c'est bien que les temps de chargement soient rapides, mais d'un autre côté, j'aimerais bien avoir les petits tips. Est-ce que je peux les avoir quelque part ailleurs ? Non, j'ai pas l'impression. Du coup, c'est un peu bizarre. Et voilà, on a la clé rouge. C'est nickel. On va pouvoir ouvrir l'autre porte. Mais je ne sais même pas ce qu'on va y trouver. Et par contre, là, on a une nouvelle épée. Oh là 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 là. Une épée suffisamment longue pour défendre son utilisateur des attaques. Oh là 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 là. On va l'équiper. Hop, sword, root sword. Donc on a le choix, la golden sword ou la root sword. Sachant que la golden sword n'a aucune capacité spéciale. Par contre, on a vu qu'elle pouvait casser des espèces de planches dorées, mais peut-être que la root sword le peut aussi du coup. Et voilà, la capacité spéciale de cette épée, c'est qu'on peut se défendre avec le bouton B. Bouton B qui ne servait à rien jusque-là. Donc c'est cool. Oh là 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 là. Alors attends. Un coup d'épée. Et oh là là, la défense! Bim! Oh, mais c'est génial! Le bouton B ne servait à rien. Je crois que je l'avais dit. J'espérais qu'il servait à quelque chose plus tard. Et ben voilà. Oh là 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 là. Voilà un jeu qui sait utiliser toutes les capacités de la manette. Hop, on passe. Et du coup, les yeux ont disparu. Ils gardaient vraiment leur truc. Et à partir du moment où tu l'as trouvé, ils s'en battent les steaks. Oh, pouf! Allez, on se casse. Ok, et du coup maintenant on peut aller ici. Enfin, on ouvre la serrure rouge. Red key, time to unlock. Voilà, ça s'ouvre. Et je vais le dire mille fois, hein, mais j'aime ce jeu. J'aime ce jeu. Oh là là, le passage qui s'ouvre devant nous. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. On avance, hein. Moi j'attends pas plus. Alors voilà, petit secret, il y a des secrets around. Voilà, je sais pas. Oh, oh, c'est très joli. Qui c'est le mec en face? Waouh. Putain, allez on... Oh. Ok, d'accord. Chelou. C'est méga chelou, d'accord. Ah mais oui, je me souviens de lui. C'est le cheval justement chelou qui leur fait peur. Dans un épisode, en fait, il les regarde. Et je crois que l'épisode s'appelle justement Les Yeux. Si vous avez vu Adventure Time, vous vous en souvenez. Il est sur la colline, il les regarde et il les stresse, il les empêche de dormir. Et du coup, il le pousse, mais il revient tout le temps. J'ose même pas lui parler. Mais du coup, là, il me suit pas du regard pour l'instant. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a de ce côté. Hop, on se met comme ça. Ah oui, d'accord, des petits posters bien etchi. Ça, c'est quoi? Ah, la princesse Slime. Justement, on a fait une vidéo sur Slime Rancher. Oh là là là, ça part vraiment en ecchi. Ouf! Il y a un papier sur la table, est-ce que je dois le lire? Bah allez, on va le lire. Alors, ça rime, mais je suis pas sûr d'avoir vraiment compris la phrase. Je l'ai mise dans mon traducteur, ça dit « Pour changer les tailles, pour regarder, il faut connaître les directions à travers le labyrinthe qui se répète, le labyrinthe répétitif. » Donc le labyrinthe qu'on a déjà fait, le repeating maze. « To change the sizes for one to gaze, one must know the direction through the repeating maze. » What the fuck? Je comprends pas. Écoutez, on va parler au cheval, on verra bien. Ah, ça continue. La suite du poème. « Au travers des ténèbres et de la lumière montrée par l'univers, la princesse te guidera avec amour dans diverses... What the fuck, je comprends rien. Pendant que la princesse la plus à gauche connaît le premier chemin, celle le plus à droite te montrera le dernier. Le roi des glaces fait de mystérieux écrits maintenant. Ce mec chelou est tellement imprévisible. Ok, on est dans la caverne du roi des glaces. D'accord, tu m'étonnes qu'il ait des posters un petit peu chelous de princesse. D'accord, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs à trouver? Ah, oula. Oh, Jake! Cool, on a trouvé Jake. Et là, il y a un autre mot. Il y a un papier sur ce sofa. Est-ce que je le lis? Oui. Oh, princesse Bubblegum, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Est-ce que je suis trop maigre pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose dont je manque que les autres ont? Comment puis-je te faire mienne? Tu préfères traîner avec Marceline plutôt que moi. Et je suis un plus grand homme qu'elle. Pourquoi? Oh, pourquoi? Peut-être, juste peut-être, si j'essaye d'apprendre les techniques de Marceline, je peux devenir quelqu'un pour qui tu tomberas amoureuse. Oh, c'est le plan parfait. Oui, c'est le plan parfait. Je vais rester ici dans cette caverne et utiliser mon costume de cheval pour observer. Et ouais, c'est exactement comme dans l'épisode. C'était le roi des glaces déguisé en cheval. Il n'y a que Finn qui connaît ce costume, pas Marceline. C'est le meilleur plan de tous les temps. Bientôt, je deviendrai un homme meilleur. Un homme pour qui tu tomberas amoureuse. Oh, creep. Ok, donc c'est le roi des glaces caché là-dedans. J'avais oublié, mais c'est vrai. Hop, on va lui parler. Wacktow Poo Brain House. Cheval avec un cerveau de caca. Devine qui je suis, Finny. Je sais que c'est toi, roi des glaces. Oh, c'était rapide. Mais es-tu sûr que je suis le roi des glaces? Et si tu te trompais? Arrête de chier, est-ce que t'as pas vu Jake? Ah ouais, moi aussi, je me demande où est Jake. Oh, je ne sais pas. Quoi? Tu as pris Jake, c'est ça? Tu dis n'importe quoi, je n'ai pas dit ça.
Rends-moi Jake! Pas avant que tu aies deviné qui je suis. Je viens de le faire, espèce de fils de moutarde toutine. Je sais pas ce que c'est. Oh, si confiant. Eh bien, vérifions donc, mon garçon. Behold! Attention! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Où est la fermeture éclair de ce truc? Tu es coincé dans ton costume? Ah! Bordel! Sors-moi de là! Man, pourquoi t'es toujours aussi stupide, roi des glaces? Peu importe, je peux toujours te botter les fesses avec ce truc. Approche, face de vieux P. Ok, ça va partir en fight. Est-ce que c'est l'heure de se fighter? Yeah, boy! It's butt kicking time! I'll beat the crap out of you till you bring Jake back! Dans tes rêves, ton cul serré est à moi! Wow, c'est violent ça! Oh, c'est dégueulasse quand tu dis ça! Ouais, on a tous pensé pareil. C'est pas ce que je voulais dire! Ah ok, c'est parti! Waouh! Ah ouais, le mec se transforme. Oh! Oula! Il y a les pingouins! C'est génial! Je me demande si c'était Gunther le premier. Bref. Oula! Dégage! Enfoiré! Wow. Oh, mais c'est violent! Ah ouais, d'accord. Je vais me concentrer parce que là, ça a l'air chaud. Ok, on récupère vite fait des trucs. Ok, là, c'est le moment de le taper. On l'enchaîne. Wow. Ah oui, on va utiliser les nouvelles capacités pour se défendre. Oh, stylé. Merde! Il y a les pingouins qui m'attaquent. On va les défoncer. Putain, mais c'est vraiment pas mal, hein. Les petits pingouins qui font leurs petits dégâts pendant que lui, il est en train d'être méga chiant. Ok, on se protège. Oula. Hop. Oh, ah, ok, ça passe. Ça passe, la protection, c'est vraiment un truc qui m'a sauvé, là. Oula, quand il est comme ça, je me demande si on peut le frapper. Oh, oh, ah oui, voilà, c'est ça la recover. Hop, on peut se remettre de nos blessures en plein vol. Oh non. Ok, ouf, il a failli me tuer. C'est pas si mal que je sois tombé, parce que vous avez vu que quand, oula, quand on tombe, on est remis sur la plateforme. Alors que s'il m'avait tué, j'aurais tout recommencé. Oh là 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 là. Ok, on bloque. Ok. Merde. J'ai pas réussi à bloquer. Oh lolo. Ok. Oh merde. Il y en avait une, genre. Il y en avait une juste derrière. Allez, approche. Face de vieux P. Olé. 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 Ah, ça y est, j'ai le truc. Nickel. Dégagé. Oh, oh, oh. Il se transforme. Oh non. Ok. Wow. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on essaie de lui faire un maximum de dégâts. Tiens, dégage. Yes. C'est passé là parce qu'il commençait à devenir chiant. Wouh! Bitch! Oh gosh! I'm pooped! Je me suis chié. T'es prêt à abandonner, roi des glaces? Défini. Abandonné. Parce que je ne veux plus me battre. Plus je transpire, plus ce costume me colle à la peau, c'est dégueulasse. Je comprends. Oh, il y a Marceline. Je peux continuer ton combat, vieil homme. Hein? Hey Finn. What the fuck? Marceline, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma grotte, qu'est-ce que tu crois? Reste en dehors de ça, Marcy. Donne-moi juste une minute. Ta respiration dit que tu n'en peux plus. Je vais prendre le relais, je m'en fous. Attends, tu vas te battre contre moi, mais pourquoi? Eh bien, tu viens juste de défoncer ma figure paternelle. Je peux pas juste me tenir comme ça et regarder ça, Finn, tu vois? Mais c'est surtout pour le fun. Se battre, c'est marrant. C'est tout, c'est ta raison. Quoi, tu espérais une longue histoire avec genre une guerre entre la lumière et les ténèbres? Et quelle est ta raison pour faire toutes ces aventures, Finn? Dans ma grotte. Hé, hey, j'ai une raison. Je cherche Jake et le roi des glaces le tient captif. Il retient Jake captif? Il est venu dans ma maison juste maintenant. Il te cherchait. Quoi? Tu pensais que j'avais pris Jake? Je capture seulement des princesses! Pas des vieux trucs puants! Mais je pensais que tu as dit... Oh Finn, c'est ce que tu fais quand tu ne peux pas trouver la moindre aventure? Inventer des histoires pour que les gens te remarquent? C'est pas internet ça, tu sais, c'est la vie! Je jure, je pensais que le roi des glaces avait pris Jake! Je vais chercher mon frère! Trop tard, j'ai verrouillé ma maison avec Jake à l'intérieur. Et je ne vais nulle part avant de m'être amusé un petit peu. Ha! Jake peut s'enfuir à n'importe quand, il peut rétrécir! Pas si je l'ai endormi. Alors je le réveillerai de l'extérieur! Ma maison est faite de ciment à l'intérieur. Ça ne marchera jamais. Ah, la meuf a tout prévu. Mais les murs sont en bois. En bois. Fine. Combat là. Elle n'accepte pas non comme une réponse. Ah, ok. Alors, tu es prêt pour un peu de fun? Très bien. Je ferai n'importe quoi pour Jake. Attends, SS? Ouais, c'est vrai qu'elle a dit SS avant fun, mais c'était bizarre. Du coup, je l'ai pas lu. Ça va être marrant. Ok, très bien. Objectif, combattre Marceline. Eh ben écoutez les gens, on fera ça dans le prochain épisode. C'était ouf cet épisode. Il y a eu pas mal de rebondissements. On a réussi à ouvrir deux passages qui étaient bloqués depuis le début. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'adore ce jeu comme d'habitude. Encore plus d'épisodes dans l'épisode, je le surkiffe. Vraiment un gros GG au mec qui fait ça, il s'appelle Mike Inel, je crois que ça se prononce comme ça. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros like, c'est méga important. Et dans tous les cas, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!